C'est une nouvelle vidéo plutôt spéciale. Je vous avais déjà dit que j'allais avoir un phasme, ou même deux phasmes, ou même trois phasmes. Eh bien, aujourd'hui, j'ai exactement ce qu'il faut. J'en aurai bien trois. Donc, trois gros de préférence. Pour sûr, j'en aurai au moins trois gros, c'est obligé. De gros, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, parce que j'en ai commandé. J'en ai commenté, oui, donc trois gros. Donc, je ne sais pas encore si c'est un phasme feuille ou un phasme bâton. Donc, celui-là, c'est le phasme bâton. Et lui, c'est une. Et ce phasme-là, c'est une phyllie. Voilà, c'est une phyllie. Une phyllie est un phasme feuille, comme vous le voyez. Donc, oui. Et ça, c'est un phasme bâton. Ça n'a pas vraiment de nom. C'est le. J'ai pas trop avec des mots simples parce que sinon après vous allez me dire des gens vont me dire dans les commentaires oui mais enfin c'est pas comme ça que ça s'appelle, ne vous inquiétez pas, si vous voulez je vous le dirai dans les commentaires comment ça s'appelle en vrai. Je dis ça pour les débutants, donc moi j'ai pris ce phasme en tant que débutant pour insectes, donc là je suis débutant en fait si vous voulez. Voilà, donc je ne sais pas vraiment encore comme je vous l'ai dit. C'est un phasme bâton, même un phasme feuille, oui, ce que vous voyez en haut à droite, c'est bien ça. Donc voilà. Donc bientôt je vais acheter un petit terrarium, mais le mieux, j'ai lu ça dans un documentaire, le mieux est de mettre ces phasmes dans une cage. Dans une cage, oui, avec du grillage, tout ce qu'il faut. Voilà. Car si vous mettez par exemple, pas obligé, vous prenez un vivarium avec, par exemple, je vous remets, par exemple, si vous prenez un vivarium avec des insectes dedans, comme bah, par exemple des phasmes, bien sûr, et que vous mettez une ampoule, ça va réchauffer presque tout le terrarium. Alors que si vous prenez une cage, ça va chauffer que d'un côté, comme ça, il pourra aller au côté du froid ou du chaud. Donc voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Pas à faire ça, ou aussi à faire ça, mais aussi, surtout, à faire ça. Oui, ça, c'est bien ce que tu vois. Le petit bouton, voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo.